Kasarachi. Maman. As-tu vu? As-tu vu où tes rêves causés par la malaria nous ont conduits? Je t'avais dit que le rêve qui ne sont pas réels, c'est la malaria. Je t'avais conseillé à plusieurs reprises. Je te disais que ce n'était pas réel, que ce n'était pas dans la vraie vie. Mais tu ne m'avais pas écouté. Tu n'as même pas pu me laisser te guérir. Hein? Tu as vu là où ça nous a conduits? Hein? Maman, je suis désolée. Maman, il faut me comprendre. Je crois que tout cela allait se réaliser. Je ne savais pas que ça allait me mettre dans les troubles. Tu vois? Tu ne savais pas que ça pouvait t'attirer d'ennui. Je t'avais demandé de m'expliquer clairement le genre de boulot que tu fais. Tu m'avais menti que tu travaillais dans un salon de coiffure. Tu vois tes mensonges? Et si ces gens avaient appelé la police pour nous arrêter et nous mettre en prison, qui allait nous faire relâcher? N'est-ce pas qu'on allait pourrir là-bas? Maman, cela n'allait pas arriver. Dixon m'aime beaucoup. Je sais qu'il ne va jamais permettre que je sois arrêtée à la police. Donc Jackson t'aimait beaucoup. Mais tu lui as quand même raconté tous ces mensonges. Pourquoi tu ne lui avais pas dit qui tu étais réellement? Même si tu provenais d'une famille pauvre, d'un milieu pauvre, ne penses-tu pas que ce même Jackson allait toujours t'aimer? Hein? Maman, ce n'est pas de ma faute. Ce n'était pas mes intentions de le mentir. Vous savez tout ce qui s'est passé, non? Maman, c'était Ngozi, mon ami. C'était elle qui m'enseignait tout ce que je disais. Même le français, je dois la payer 10 000 naira de m'avoir enseigné comment parler un bon français. Maman, c'était elle qui me disait toutes ces choses. Tu vois maintenant. Applaudis pour toi-même. Kasarachi. 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 Combien de fois t'ai-je appelé? Je ne veux plus jamais te voir avec ce genre de fausses amies. M'as-tu entendu? Je ne veux plus te voir. D'ailleurs, promets-moi que tu ne les suivras plus. Maman, je vous le promets. Je ne veux plus te voir avec elles. J'en ai même assez aidé. En tout cas, je suis fatiguée. J'en ai assez de cette vie. Tu n'as encore rien vu. Quand tu racontais de mensonges, qui t'avait envoyé? Tu ne savais pas que ça allait t'attirer d'ennui? C'est la vérité, sauve. Kasarachi, je n'ai jamais prétendu être quelqu'un d'autre toute ma vie. Dieu m'est témoin, je ne vis pas une double vie. Kasarachi, ne répète plus ce que tu as fait. Ne refais plus jamais ce genre de bêtises. Tu es mon unique enfant. Hein? Maintenant, je comprends pourquoi certaines personnes préfèrent envoyer leur fille au couvent pour devenir sœur. Kasarachi, vous voulez maintenant m'envoyer au couvent? Si tu n'arrêtes pas, si tu ne changes pas de comportement, je t'enverrai là-bas. Jackson! 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 Quand est-ce que tu étais revenu? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu es venu chercher? Quand est-ce que tu es venu? Jackson! Jackson! Tout ce que tu m'as manqué, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu rentré ici? Hein? Tu m'as trop manqué. Arrête de toucher. Jackson! Jackson, pourquoi tu me rejettes, Jackson? Reste loin de moi, je t'ai Jackson. Dit. Dégage! Jackson! Jackson!
Bienvenue, monsieur. C'est vous qui m'avez signalé de venir. Oh oui. Écoute-moi. En aucun cas, tu n'ouvriras le portail à qui que ce soit. Oui, sans monsieur. Ma permission. Est-ce clair? Oui, monsieur. En même temps, verrouille ces appartements. Et ramène-moi les clés. Dépêche-toi. Oui, monsieur. Ce n'est pas un problème. Non, ce n'est pas un problème. Mais sinon, bon, il y a un problème. Un très sérieux. Mais rien dont je ne puis te parler, là. T'en fais pas, je te verrai quand je serai libre. Oui, quand je serai libre. Très bien. Prends bien soin de toi. Ouais, bye. Elle est démoniaque. Hein? Elle est démoniaque. Pourquoi ici? Peut-être que j'aurais dû rester très loin de ma famille. Exact. Angelica. Angelica. Laisse-moi tranquille. Hein? Ne t'en fais pas. Je sais quoi faire. Je sais exactement quoi faire. Ouais. Oh. Tu as déjà ouvert la porte? Oui, monsieur. Déjà. Mais tu ne m'as rien dit. Madame, bienvenue. Salut. Eh oh, Seigneur. Eh, qu'est-ce que tu dis? Tu éclatante. Comment vous allez? Je vais bien, et toi? Eh, tout ça, ça c'est ton corps. Tu es vraiment charmante. Madame, c'est ton amie. Oui, okay. Elle est géniale. Maintenant, bienvenue. Elle est intéressante. Qui elle est? Elle est juste une bonne. Je dirais inenvoyée. C'est juste une simple fille, venant du village. Mon mari me l'avait proposé. N'arrive pas à y croire. Elle est une bonne personne, t'inquiète pas pour ça. Es-tu sûre? Oui, c'est vraiment une personne gentille, ne t'inquiète pas. Ok. Oui. Sinon, qu'est-ce qu'on fera aujourd'hui? Chérie, on n'a rien à faire. Es-tu prête pour quelques bouteilles de la bière? Pourquoi tu veux que ça? Non, que doit-on faire donc? Je veux tequila. Tequila? Ouais. Je pense que j'ai quelques tequila pour toi. Es-tu prête? Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Oh mon Dieu! C'est clair! Pourquoi tu me touches? Tu vois, parce que tu es qui? Tu devrais plutôt t'esquiser à moi. Je te touche et tu dis... N'ose plus me toucher. Qui es-tu? Ne sais-tu pas que je suis une princesse? Une princesse? Tu doutes de moi, parce que je me suis habillée comme ça. Si tu viens dans mon royaume en Afrique, hein? Tu seras ma servante. Je ne serai jamais ta servante, même en parce étant morte. J'utilise le sceptre royal pour toucher les gens comme toi. Tu devrais être contente que la princesse te touche. Dégage. Je vous ai apporté la bonne nouvelle. J'ai dit à mon frère à propos de toi, à propos de la femme qui vient dans sa maison. Et mon frère a dit, je vais venir lui dire. Hein? Pour qu'elle accepte d'être sa reine. Veux-tu dire que ton frère est un prince? Je dis que je suis une princesse, alors pourquoi pas que mon frère soit un prince? Mon père est un roi. N'importe quoi. Il est tout seul? Tu me demandes si mon frère est tout seul. Pourquoi? Je vais savoir. Il est marié? Je ne sais pas s'il est marié ou pas. Quand je serai détouché, tu as dit non. Et maintenant, tu veux voir mon... Non, s'il te plaît, touche-moi. Je suis là. Attends, je vais te montrer une photo. Tu commenceras à l'aimer tellement beaucoup si tu vois la photo. Tu vas voir la photo et tu vas beaucoup l'aimer.
Regarde mon frère et regarde comment il est beau. Il est vraiment trop charmant. Oh mon Dieu, il est vraiment très beau. Nous sommes tous beaux dans notre famille. Si tu vois le roi, mon père, plus que beau. Mon père est vraiment si beau. Toi d'ailleurs, tu n'es pas si belle. Et moi, je te touche, mais il tu refuses. Il est trop beau. Il est en Afrique. Je lui vais même parler de toi. C'est vrai? Oui, je le connais. Oui, tu vas aller même en Afrique et tu vas le rencontrer. Tu connaîtras la tradition de l'Afrique. Vraiment? Oui. Comment sont les Africains? C'est seulement comme tu me vois là, habillée comme ça. Les Africains n'ignorent pas les gens. Jusqu'à ce que je vais commencer à m'habiller à la princesse et m'appeler Chakara. C'est par là que tu vas commencer à me respecter. Écoute, tu vois, elle, elle apprécie mon frère le prince. J'étais d'ailleurs sur le point de la présenter chez mon grand-frère. Je ne vais pas la donner au prince parce que le prince te veut. Raison pour laquelle je suis descendue de l'aider. Et t'es touchée, mais tu as refusé. Tu as perdu ta chance. Tu as vraiment perdu ta chance. Peu importe le prix. Que dois-je faire pour aller en Afrique? Tu dois bien prendre soin de moi au moment où je suis ici. Pour que dans mon palais, je te montrerai Malama Fouama. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu dois d'abord prendre soin de moi. Peu importe, je dois aller. Si tu ne prends pas d'abord soin de moi, je ne vais pas aussi dire à mon frère, ah, elle est bonne. Elle a bien pris soin de moi et elle prendra aussi bien soin de toi. D'ailleurs, tu dois d'abord épouser la princesse avant d'épouser le prince. Donc, je dois aussi épouser la sœur de mon petit ami. À un moment, tu me donnes l'argent pour arranger mon corps. Attends, j'ai une lotion qui va me rendre blanche comme toi. C'est ma chute aussi ce que tu as mis dans ma tête parce que je vais en avoir. Je possède tout ceci. Juste avec le temps, j'essaie de le distribuer à toutes les filles du village. Je les aide avec des perruques ou autre chose parce que j'en peux plus. Tu vois la perruque que tu as mis, tu dois me les remettre entre mes mains pour que je prenne soin de cela. Alors je t'apprendrai comment préparer la nourriture, comment préparer nos plats africains. Oh vraiment? Si c'est moi qui m'apporte l'argent, tu veux prendre des choses qui sont vraiment nécessaires. Et si c'est moi, tu planifies. En tout cas, je t'amènerai en Afrique. Je veux qu'on soit bien préparé parce que je te présenterai chez mon frère le prince. Tu seras notre reine. Vraiment? Oui. Et quand est-ce qu'on commence avec le travail? Je t'enseignerai, non? Petit à petit, ne sois pas pressé. Et quand est-ce qu'on veut exactement commencer? Calme-toi, tu es déjà la femme de mon frère. Relax. Donne d'abord ton téléphone. Tu vas d'abord t'habituer toi-même. Pour m'impressionner, c'est juste quand tu s'habituer moi-même comment? Par connaître comment préparer nos repas africains. Et ce que tu donnes ici, ce n'est pas ça? Oui, ça c'est la première des choses qu'on va apprendre. Si tu les prépares très bien, tu iras la préparer chez toi et tu me la ramènes ici. Si je goûte ça, je trouve que c'est le même avec ça. Directement, on part. Alors, tu vas commencer à me donner de l'argent, les habits, des chaussures, sac à main. Oui, okay. C'est le design. Cela me poussera à dire le bien. À mon frère, à ton propos, je commencerai à lui dire que cette loyale blanche qui était avec la princesse compte venir dans notre royaume. Oui, je serai contente. Oui, mon frère le prince. D'accord. Le grand prince va t'épouser. Tu vois, dans ma place, dans mon royaume, comme une princesse, on ne met pas le sel par hasard. Ce sont les ancêtres qui te diront quand stopper et quand ne pas stopper. Tu le mettras comme ça, jusqu'à ce qu'ils te diront de stopper. Vas-y, essaye. Mais comment je saurais? Comment savoir si je dois stopper? Il parle en disant que ils t'ont accepté comme la prochaine reine quand mon père sera mort. Alors ça, c'est vraiment un test parfait. Mais je ne comprends pas. Mais tu l'as fait. Est-ce que tu doutes de mes ancêtres? Si tu parles et que tu les attends, ça veut dire qu'ils t'ont accepté. Mais si tu ne les entends pas... Je vais les entendre. Ah, c'est ça ce que je voulais dire. Alors, pratique d'abord, on va voir. Je te dirai quand ils vont parler, Je reste calme. Examen numéro 1. Arrête! Hey! Tu as échoué, oh! Je pensais que tu m'avais dit qu'ils me diront quand stopper. Ils t'ont pas parlé, ça veut dire qu'ils ne te veulent pas. Ah, ils ne te veulent pas pour le moment. Mais j'ai gagné. Oui, tu t'es impressionné. Tu as renversé tout le sel, la raison pour laquelle ils ne t'ont pas parlé. Les ancêtres ne t'ont pas parlé. Oui, ils ne m'ont pas parlé, mais toi, tu m'as parlé. Mon frère va t'épouser si tu passes à un autre examen. Quel autre examen que je dois passer? Apporte. J'ai déjà fait un examen, je dois être mariée. Tu avais dit en pilant. En parlant, tu ne sais pas ce que ça peut être. Bien.
Oh non, 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 non. Oh. J'étais en Amérique. Non, oh. C'est encore l'Amérique, non? Ah, cela s'est encore répété. Oh. Ah. Kasarachi. Maman. Pourquoi tu cries? Maman, vous n'allez pas comprendre. Hein? Vous n'allez pas comprendre. Vous savez, la nuit dernière, je n'avais pas dormi. J'étais éveillée parce que je ne voulais plus rêver. Et maintenant que j'ai eu un peu de sommeil, j'ai dormi juste un peu haut. Mais je me suis vue moi-même en Amérique. Je me suis vue moi-même. J'ai porté un sac. Je partais vers la maison de quelqu'un. Et une femme Igbo m'a réveillée. Et elle m'a amenée à l'intérieur. Et j'ai montré à cette blanche comment préparer. Hé hey, maman, j'ai menti aussi à l'intérieur du rêve. Comment je peux être... Maman, je ne dormirai plus haut. Ça ne serait plus de ma faute si les rêves revenaient encore. Parce que dernièrement, vous m'avez blâmé. Je ne rêverai plus. J'ai cherché même un travail. J'ai oublié l'autre côté où... Ah, cet endroit que j'ai... Que je t'ai parti acheter le banane. Je l'ai oublié. Ce rêve, pourquoi tu me fais comme ça, non? Je ne dormirai plus toute ma vie. Et comment je peux vivre sans dormir? Comment? Maman? Maman? Bois cette tisane. C'est le médicament pour la malaria. J'ai pu voir que cette malaria est revenue. Voilà pourquoi tu fais des cauchemars. Donc, bois-le. Maman, je ne souffre pas de la malaria. Je vais bien. Qui t'a dit que tu n'as pas la malaria? Tu as recommencé encore avec tes rêves. Cette fois-ci, c'est les États-Unis. Ce n'est plus Paris. Allez, bois ça. Je n'ai pas de temps à perdre. Maman, ça sent mauvais, non? Allez, prends. Ouvre ta bouche. Bois ça. Avale. Maman, laisse-moi le prendre, non? Maman, attends. Prends ces médicaments. Oui, je le bois. Sinon, je vais m'énerver. Bois ces médicaments. Oh, tu jettes? Tu me connais? Je vais remplacer. Regarde cette marmite. Elle est pleine. Je vais rajouter. T'inquiète pas. Je vais remplir le verre et tu buvras ces médicaments. Oui, bois vite que je parte d'ici. Maman, attendez. Écoute ce que j'ai à te dire. Tu prendras cette tisane encore les soirs. Demain, la première heure, tu le prendras. À midi, le soir, même la nuit. Et cela pendant 3 jours. Tu vivras ces médicaments pendant 3 jours. Je boirai. Tu les prendras. Maman, maman, vous savez que quand vous faites ça, je ne le prends pas, oh maman, je ne le prendrai pas, oh. Oh, c'est quoi? Je ne prendrai pas ça. La seule chose que je dois faire, c'est de ne pas dormir. Je resterai les yeux ouverts pour que je ne rêve pas et ne me donnez pas cette chose. Je ne boirai pas ça, je ne veux pas dormir, je ne veux pas aussi rêver. Quand ça fera encore nuit, je commencerai encore à rêver. Bienvenue, madame. Qu'est-ce qui t'a pris du temps pour que tu viennes m'ouvrir la porte? Madame, écoutez. Vous savez, le patron m'a donné des instructions. Il a dit que je n'ouvre le portail à personne. Mais quand j'ai vu que c'était vous, madame, vous n'êtes pas dans cette classe-là. Des personnes qui ne doivent pas entrer ici. Et où est passé ton boss maintenant? Le patron est là-bas à l'intérieur. Mais attendez, s'il vous plaît. Il faut que j'aille dire au patron que vous êtes là. Vous savez, je dois faire mon travail, vous savez, madame. Vous attendez? Je vais aller dire au patron que vous êtes là. Je sais qu'il sera content. Désolé, je suis désolé. T'es déjà présenté une seule fille en tant que ta madame? Hein? Alors va là directement au portail. Patron, Madame Angelica,
Je sais qu'avec elle, j'aurai des cadeaux tout le temps quand elle... J'ai dit, va là dehors et ferme-moi mon portail. Ça ne vaut plus la peine pour ça, je suis déjà à l'intérieur. Ah, Peter, va me prendre mon sac maintenant. Angelica, qu'est-ce que tu fais ici? Écoute-moi. Donne-moi juste un prix. Je vais te faire un transfert là maintenant. Bébé, je t'aime beaucoup. Tu le sais bien et je ne peux pas vivre sans toi. Tu sais bien que cela n'est pas possible. Pourquoi pas? Personne n'est au-delà de Gérard. Tu m'avais dit que tu as oublié et que tu as pardonné. Alors je ne comprends pas qu'est-ce qui nous empêche. Angelica, juste donne-moi un prix et je vais te faire un transfert là en ce moment. Un million, deux millions, dix millions, dis-le-moi. Hé, hey, excuse-moi. Angelica. Et où penses-tu que tu vas avec cette valise? Bébé, tu sais que je dois être confortable. Angelica. Bébé. Ton bébé, Angelica. Tu sais que je suis revenue. Hey. Ce n'est pas possible, ça. Hey, c'est pas possible, ça. Comment est-ce possible? Thank you.
Il faut que nous prenions le train à partir d'ici. Comme ça, je vais tout te montrer. Tous les beaux endroits ici. Hein? Je t'épouserai. Je t'épouserai. Tu es un homme d'affaires, oui. Bon, je veux dire, tout le monde est censé être gentil avec des belles filles comme toi, une princesse. Donc, tu n'es pas une fille ordinaire. Vraiment. Je sais, mon père va vraiment aimer. Vraiment? Oui. Ah, c'est bien ça. J'aimerais aussi visiter là-bas. Ok, pas de problème. Si tu prends vraiment soin des Cassidy. D'ailleurs, tu auras même une partie de la terre. Oh, vraiment? Oui, tu vas construire. Donc, vous avez aussi le pétrole de le sous-sol, n'est-ce pas? Oui, toutes choses en or, les dollars, toutes choses est parfait. Non, attends, de l'or, vous en avez aussi? C'est vraiment parfait, cette terre que mon père te donnera. Bien oui, alors. C'est le prince qui l'a utilisé, voilà pourquoi il veut te les donner. C'est pourquoi il va te les donner juste pour rien comme ça. Alors, ton père, il a quel âge? 70 ans. Il a 70 ans. Bon, donnons-lui peut-être 15 ans, 20 ans. Je serai peut-être le roi, je crois. Et mon père, il ira où? Non, je veux dire, 70 ans, peut-être, tu vois, il va encore vivre jusqu'à 80 ans, des choses comme ça. Donc, il faut que, hein, je vais juste être le roi. Oui, pas de problème. Et tout d'abord, tu devrais prendre soin de moi. Toutes les choses que tu m'achètes, c'est encore trop petites. Hein, ce sont trop petites. Tu dois m'acheter le plus. M'acheter une voiture ou un sort de voiture. Tu vois ce qui parle là? J'en veux pas du tout. Tu m'achètes une Range Rover. Tu sais qu'il y en a trop chez mon père. Vraiment? Oui, mais tu m'achètes de Rolls cette Royce. Façon. Tu vois ce qui parle là? Ça, bien. C'est le tube que je veux. Hein? Tu peux aussi acheter Bugana pour moi. Ça me fera trop plaisir. Oh, c'est vrai oui, ça. Ce n'est pas Bukana. C'est Bukamwaka. C'est comme ça oh, qu'on le prononce. Dis-moi, c'est vrai ça? Ne t'inquiète pas, il n'y a aucun problème du tout, aucun. C'est déjà bon. Oh, c'est tellement magnifique. Oui, oui. Ah, mais je crois que c'est mieux que nous allions nous asseoir de l'autre côté. Ici, c'est pour le vieillard, tu vois ça. Ok. Venez à bord du train. Donc, ce train, c'est par ici que nous allons toujours venir le prendre. Tu comprends ça? Mais il y a plusieurs autres arrêts comme ça. Oh, ok, c'est ça? Ah non, ce n'est rien. J'ai cru que ça commençait à partir. Mais nous allons partir comme tu ça, les connais? Jusqu'au centre-ville, et c'est comme ça. Ouais. Ici, chacun s'occupe de ses propres affaires, c'est comme ça. Vous voyez ce train, on a ce genre de type dans mon royaume. Mais les nôtres, c'est pas comme ça. Les nôtres, ça vole. Hein? C'est comme l'avion. C'est vraiment comme un avion, oui. Le train, avec des ailes. Mm-hmm. Tu n'as jamais vu ça avant? Non. Les nôtres n'est pas vraiment trop cher. Mon père, il en a de ces genres. Oh. Vraiment? Et c'est juste comme ça. Sans rien, sans magie, sans du tout. Ouais, c'est chez nous. Oh. Tu n'as jamais vu ce genre de train avant. Je n'ai jamais vu un train. Tu connais moi aussi, tu avec savais. Avec des ailes. Oui, oui, c'est le sujet. Ça part à partir parce que ça ne vole pas. Et tu appelles ça Ikanamuamu. Oui, le train du Ikanamuamu. Le train oui, Ikanamuamu. Quand tu seras dans mon palais, je l'utilisais pour te connaître. Pour que je te connaisse à l'intérieur. Ça aussi, le clignotage à l'intérieur. Ça quoi? Clignotage. Dis-moi, est-ce qu'on a fait cela en Iran ou quoi? Tu ne connais pas le clignotage. Des choses qui font seulement ping, 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 ping. Oh, bien, 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 bien. La sirène. On l'appelle souvent clignotage. Et vous l'appelez clignotage. Tu sais, c'est vrai. Tu es amusante. Ça... Je pense que nous passons à un très bon moment. Oui. Donc, moi, c'est moi ce que je te demande. Oui. Tu t'es décidé de me rendre heureuse, me donner tout ce que je veux, mettre la princesse heureuse. Je te mettrai aussi heureuse. Écoute-moi, tu sais, je suis déjà là, ça fait déjà plusieurs années. Mais tu sais, je suis toujours au Nigeria. Je sais comment nous traitons nos femmes là-bas. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais prendre soin de toi. C'est juste le commencement. Ok, d'accord. Moi, je t'apprécie. C'est ça, vraiment. Ah, oui, ma belle. Dans ce cas, je ne laverai pas. Non, ne le lave pas. Tu vas bien profiter de ce temps. Oui, il y a beaucoup. 10 jours. Oui, c'est vraiment ça. Tu as raison. Oui, on ira dans mon royaume. Oui, un bon cas, 10 jours. Et mon père sera content de très te voir. Très intéressant. Tu sais, où est-ce qu'on va déjà? Oui, mais tu sais, c'est juste que tu...
C'est juste que je n'aime pas trop conduire, tu vois. J'aime pas trop conduire. J'aime juste me promener comme ça, voir la ville pendant la journée, tu vois ça. Oui. À la prochaine, pas ça, parce que ça me fait peur. Voilà pourquoi j'évite le monter. Oui, je vois. Mais sinon, nous passons une très bonne journée. Une très bonne journée, en tout cas. Mais ça va, je crois, 45 à l'heure. Oh, c'est vraiment magnifique. Oh, cet endroit est magnifique, génial. Oh, je l'ai vraiment aimé. Viens-toi visiter. C'est trop cool. Oui, Wow. Oui, je sais, ne t'inquiète pas pour ça. Tu vois, les trains qui vont comme ça vont au nord et comme ça, ça va vers le sud. Oui, c'est bien ça. Oui, ici, c'est le sud, comme ça, c'est le nord. Quand nous allons être en train de retourner, nous allons prendre les sens opposés. Oh, oui, c'est parfait. Comme je t'avais dit, ce sont des très bons endroits ici. Même quand tu peux commencer le travail ici, tu vas aller comme ça et tu vas revenir comme ça le soir. C'est que tu voyages à tout moment. Tu voyages vraiment à tout moment. Pourquoi tu fais ça? Tu as peur? C'est parce que j'essaie de m'habituer avec ça. Hein? Parce que moi aussi, je voyage très souvent. C'est parce que tout ce temps, j'ai un peu stoppé. Hein? Tu vois? Oh oui, je à vois. À un moment, je le fais sans même déranger quelqu'un. Ouais, je peux vraiment sentir que tu as vraiment peur. Oui, je ne suis pas habituée vraiment à ça. surtout. Ah oui, je comprends. Je comprends. Donc, les trains là-bas ne font que voler, c'est ça? Ça ne roule pas comme celui-ci. Oui, notre train, ça vole. Oh oui, je vois. Ce train-là? Oui, le nôtre, ça vole. Ah, c'est comme ça? En tout cas, j'ai hâte de venir là-bas et voir enfin ce train qui vole comme ça. Oui, les gens disent que la même chose. Voilà pourquoi moi aussi, je ne vois aucun sens dans ça. Parce que mon grand-père, vu qu'il aimait trop voyager à l'étranger, mon grand-père a construit plus de... Imagine, plus de 20 aéroports avant qu'il meure. Ah, c'était juste après sa mort. Tu entends? Quelqu'un a sonné qu'il doit descendre et alors il a sonné là-bas. Ah, de très longtemps. Non, moi je parle d'aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui. Oh, ah, c'est bon, vraiment ça. Je vois, donc c'est comme ça. Ah, oui, en tout cas, nous, on est tellement riches dans notre royaume. Tu verras. Nous sommes presque arrivés. Je crois qu'à la prochaine station, nous serons déjà arrivés. Tu vois, c'est la prochaine station non, que nous allons descendre. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis fatiguée de tout ça. J'en ai assez. Hein? C'était quoi déjà ce rêve? Oh mon Dieu. Hein? C'était le train. Je vais encore dormir. Je suis fatiguée de ces rêves à tout. Moi, je me réveille seulement. Oh, oh. Je ne peux plus même dormir. Même ce matin, j'essaie de dormir. Je continue à rêver le même rêve. Oh Seigneur, je ne veux pas penser que j'irai en Amérique en ce moment. Oh. S'il te plaît, je ne veux plus être dans le trouble. Je ne peux plus dormir encore. Même pas fermer un œil, parce qu'à tout moment, je le fais. Je vois encore un autre rêve. Et ça ne peut pas être la malaria par hasard. Ah.
Mon ami, tu n'es pas sérieux. Tu sais ce que tu vas faire maintenant? Ce n'est pas un problème, mets juste l'argent dans mon compte et puis je vais l'utiliser. Tu vas me tuer, bro. Sérieux, tu vas me tuer. Ce n'est pas un problème. Un peu par-ci, un peu par-là. Ouais, on est encore en vie. Je sais, bro. Non, tout va très bien. Tout va très bien. Tu sais quoi, je vais te rappeler plus tard. Ok? Je te rappelle, mec, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse. Très bien. Merci. Qu'y a-t-il? Rien du tout. J'ai juste envie de m'asseoir à tes côtés. En te regardant, tu restes toujours en colère contre moi. Il y a tellement beaucoup d'endroits où tu peux t'asseoir dans cette maison. Pourquoi tu choisis ici? Ah, mon amour, tu ne peux pas continuer avec ces attitudes. On habite dans une même maison et je t'aime beaucoup. Tu m'aimes beaucoup? Oui. Sais-tu au moins ce que c'est l'amour? Ah, mon amour, tu sembles être toujours en colère contre moi. Mon chéri. Ma chérie. Oh. Oh, mon amour. Waouh. Tu as vraiment l'air magnifique. Comment était le voyage? Génial. Comment tu vas? Je vais très bien. Allez, viens là. Ok, assieds-toi. Bébé, merci. Sale Pete, qui es-tu? Oh. Mon amour, assieds-toi. Juste assieds-toi. Je suis Sandrine. Je suis sa fiancée. Exact, c'est ma femme. Oh, merci infiniment. Chérie, je t'en prie, assieds-toi. Merci. Assieds-toi. Dixon, oui? Puis-je te parler, s'il te plaît? Maintenant. Sérieux, maintenant? Maintenant. Oh, hey. Tu attends. Je ne peux jamais oublier ça. Merci. Je t'en prie, sans toi, laisse. Maintenant. Okay. Hey, allons-y par-ci. C'est quoi? Qu'est-ce ça? Qu'il y a? Je vais te parler. Kasarachi, on te cherche. Maman? Eh, nous te cherchons ici. Dis à cette personne que je ne suis pas là. Elle n'accepte pas. Apparemment, elle n'est pas là. Kasarachi! Est-ce que quelqu'un est venu? Maman, tu n'entends pas qu'elle crie? Kechi Ozoma. Elles sont là en train de me chercher. Ah, c'est juste la peine perdue. Il n'y a personne ici aux alentours. Hein? Partons. Kasarachi, que je parte. J'attends Kasarachi, je dois vraiment la voir. N'est-ce pas que c'est tes amis? Ce n'est pas le problème. Les choses que j'avais eues, elles commencent à se moquer de moi. Hé, se moquer de toi? Tu vois? Tu vois maintenant pourquoi c'est pas bien de mener une vente? Tu vois maintenant pourquoi c'est pas bien de mentir? Elle m'aide de périr, toujours très belle. C'est aussi ce que j'avais entendu. Oh. Attendons qu'elle vienne, on va vraiment la voir. Je dois la voir. Est-ce qu'on va encore reconnaître son visage? Ma sœur. Je vais vraiment la voir. Et même comment elle s'habille. Peut-être qu'elle peut aussi me connecter avec d'autres personnes. Peut-être aussi qu'elle m'amènera avec elle. Je comprends. En France, non. On ira en France. La France. Juste toi. Tu dois contredire la vérité. Et arrêter de mener des prétentions. Kasarachi, tes amis sont ici, oh. Il semble qu'elle est ici. Elle a aussi acheté la montre. Oui. J'ai entendu qu'elle porte maintenant une très grosse montre. Et moi, elle doit m'acheter une montre à la cité. Tu veux vraiment la montre? Elle va me les donner. Ma dégueuma. Tu veux tout pour toi? Doucement. Qu'est-ce que tu crois? Kasarawa, Nyomae. Nous sommes d'ailleurs. Kasarachi. Tu commences maintenant à te cacher.
Il a toujours été dit que les oreilles ne peuvent pas dépasser la tête. Quand je te disais, tu n'écoutais pas. Mais toi, tu commences à te cacher. Hein? Bébé, je me suis rendue très belle. Oh, tu ne peux pas imaginer. Oh mon Dieu, c'est tellement génial. Je t'aime. Salut chérie. Oh, ma chérie. Viens là. Oh. Oh. Wow, tu as l'air merveilleuse. Merci. Bien, dis-moi, où allons-nous donc ce soir? Où est-ce que tu préfères m'amener? Bien, je pense à... Ou quoi? C'est génial. Je sais que tu aimes ça. Tu l'essayes. Bien, quelle voiture allons-nous utiliser? Ah, bébé, ça c'est trop beau, c'est vraiment très classe. C'est présentable. Ah, chérie, écoute-moi, je ne veux pas ceci, je préfère ça là. Ça c'est bien. Ok. Hein? Allons-y. Ouh, bien, après vous, madame. Merci. Allons-y, bébé. Bien. Hey, mon chéri bébé. Excusez-moi. Bébé? Oh. Maman, je vais apprendre des travaux manuels, même des affaires universelles. Je vais commencer cela. Dans ces villages? Non, à la cité. Je vais appeler mon amie pour que je la rejoigne dans le business. J'allais déjà travailler avec elle, mais elle m'avait dit d'apporter un peu d'argent. Mais à cet instant, je n'en avais pas. Alors maintenant que j'ai un peu d'argent, donc je vais aller la prendre. Kazarachi. Tu vois, est-ce que cela n'est pas mieux que de mener une vie fausse? Oui, c'est mieux. Qu'est-ce que tu faisais à l'aéroport? Ou soit toute cette affaire qui concerne la famille de Jackson? Ou toutes Maman, ces choses? À l'aéroport, Cacao, Cassidy, Dixien et tout ce qui comprend cela fait partie de mon passé. Maintenant, parlons un peu du futur. Et le temps présent. Arrêtons de parler du temps passé. Ça serait pas bien. Je suis celle qui est changée maintenant. En tout cas, Dieu merci. Ma fille, tu as bien réfléchi. Tu as pris une bonne décision. Alors, que ferons-nous à propos de l'argent? Il n'y a pas un problème. Elle m'a demandé d'apporter des 5000 naira pour le moment. Vous savez, c'est parce qu'on n'avait pas l'argent, raison pour laquelle je n'avais pas donné cela. J'ai ces 5000 naira, raison pour laquelle je vais partir. Kasarachi. Maman. Tu as 200 000 naira. Mais comment? Quand j'étais dans la maison de Dixien, j'ai collecté l'argent entre ses mains, raison pour laquelle j'en ai. C'était quand j'essayais d'épargner un peu d'argent. J'arrivais même à épargner plus de 2 millions de naira. Et où? Si ce n'était pas pour cet homme qui faisait le visa pour moi. Tout l'argent que j'ai collecté, je remettais entre ses mains pour qu'il fasse un visa de Paris pour moi. Mais jusque-là, je n'ai pas vu mon visa et mon passeport pour Paris. Si ce n'est pas pour ça, hein, maman. 2 millions allaient se trouver dans cette maison. Est-ce que tu les as volés? Kasarachi, moi, ta mère telle que je suis là, je n'ai rien, même pas un centime. Comment peux-tu rassembler une somme de 200 millions de naira? Tu volais? Hein? Je t'ai poussé. C'est vrai? Oh. Pas de problème. Maman, arrêtons aussi de parler à propos de cela. Hein? Parlons de mon futur maintenant. Je vais l'apprendre à travailler. Okay. Une fois que j'aurai fini à apprendre, je créerai mon propre business. J'engagerai les gens et ils travailleront pour moi. Je ferai beaucoup d'argent. Ma fille, je suis vraiment fière de toi. Surtout par rapport à cette idée. Oui,
Je suis fière de toi. Merci. Hein? Dieu sera avec toi. Amen. Je te donne ma bénédiction, ma fille. Je te permets maintenant de partir. Merci, maman. Je vais commencer à prier pour toi, mais tu dois me promettre une chose. Quoi? Tu dois arrêter de mentir. Tu dois arrêter cette vie de prétention. Sois toi-même. Et Dieu va te bénir, voire même avec un mari. D'accord, maman. Je vous promets. Ça, c'est ma fille. Ma chère, je n'arrive même plus à le comprendre. Gerson a amené une nouvelle fille à la maison. Je ne sais pas ce qu'il a trouvé. Oh. Ma chère. Tu ne peux même pas me comparer à elle. Je suis plus meilleure qu'elle. Elle n'a pas du tout mon niveau. Eh oh. Les hommes sont bizarres. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent exactement. Je suis une femme, tu sais que je possède tout. Je t'ai entendu, d'accord. Ah ok, je te parlerai plus tard, oui. Ah ok. Merci. Mon amour. Ah, oui, bébé. T'en fais pas, je rentre très vite. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai beaucoup manqué. Tu m'as manqué? T'en fais pas, je reviens vite, ok? Ok. Bye. Prends bien soin de toi, ok? Bébé. Attends, t'es vraiment sérieuse? Viens là, viens là, viens là. Tu sais que je peux rien te refuser. C'était magnifique. Hein? T'en fais un de plus? Viens là. Viens là. Je t'en fais encore. Je reviens vite, bébé. Un autre, tu as dit? Ah, je te verrai plus tard. D'accord. Je te verrai plus tard. D'accord, bébé. Mon chéri, reviens par ici. Que penses-tu que tu fais? Tu éclates tes dents. Tu es sa honte. Tu es sa honte. Parce que tu sais que moi et Gerson, on est en couple. Mais jusqu'à ce que tu aies eu l'audace de mettre tes pieds dans cette maison. Comme qui? Je ne comprends même pas. Laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi t'éduquer. Laisse-moi t'enseigner. On a juste eu un peu de malentendu, mais très bientôt, on aura tout arrangé. Et alors, je te mettrai hors de cette maison. Sazante et idiote. Va en enfer. Les gens comme toi aiment juste reprendre leur face et les entraîner n'importe où. Sans même poser des questions. Tu ne te respectes même pas comme une femme. As-tu déjà été dans une relation amoureuse? Ça t'est déjà arrivé que tu es vraiment amoureuse de cet homme et que lui n'est le pas? Je ne comprends pas vraiment la place de cette question. Voilà. Dans ce cas, ma chérie, suggère-moi. Bien, cela dépend de d'où tu viens. Je viens presque de partout. Des hauts en bas, des droites à gauche, est et l'ouest, de partout. Bien, je vais te le dire. Cela dépendra de toi d'avoir raison ou tort. Et d'ailleurs, tu n'as pas le pouvoir de manipuler quelqu'un qui s'intéresse à toi. Ok. Juste regarde une autre situation. Au cas où que, tout d'abord, il te fait tomber grave amoureuse de lui. Parce qu'il est amoureux de toi. Et donc, il promet de t'épouser.
Que penses-tu de cela? C'est l'infidélité. Ma chérie Kerr, une partenaire infidèle peut aussi tout renverser, même le vrai amour. Oui, écoute, peu importe à quel point l'homme est amoureux, il n'acceptera jamais une femme infidèle. Elle ne l'épousera jamais. J'étais ivre! Ivre! J'allais jamais permettre cela! Jamais! Jackson! J'aime Jackson! Je suis toujours amoureuse de lui! C'était une erreur! Ah! J'étais amoureuse de lui! Et je continue toujours à l'aimer! C'était une erreur! Elle m'a même mis dans ça. Je suis vraiment désolé pour ça. Mais Dieu merci que je suis arrivé à temps. Qui est la prochaine? Cassie? Merci de me l'avoir rappelé. Quoi de neuf? Ouais, quelles sont les nouvelles? Quelles sont les nouvelles? Mon frère, ne sois pas stupide. Je t'ai demandé d'aller dans sa maison pour lui demander de m'appeler. Demande-lui de m'appeler. Merci. Ah, je voilà pensais que tu disais que cette cas-ci t'avait menti. Eh bien, c'est ça l'ironie de la vie. Tu sais, l'amour ne devrait toujours pas être questionné. Je sais que je peux la duper. Crois-moi. Exact. D'après ce qu'il m'a dit, elle a fait ça à cause d'un rêve qu'elle a eu. Et puisqu'elle était une fille pauvre, elle a complètement tout perdu. Mais je pense bien qu'elle peut changer. Je peux la changer. Je la préfère plus à cette sale prostituée, Angelica. Et si tu prenais une nouvelle fille? Une nouvelle fille? Comme on le dit dans la vie, le diable que tu connais est mieux qu'un ange que tu ne connais pas, je sais. Et à cause de ces mots, je préfère casser cette fille que cette diablesse Angelica que je ne connais pas. Mon amour, viens là. Tes cheveux, je crois qu'il est grand temps que tu les changes. En passant, où penses-tu que nous pourrons organiser notre mariage? Sinon, amène-moi là où tu veux. Eh bien, je pensais au bar. Cela sera génial. Quand est-ce que tout ceci prendra fin? Quand est-ce que ça finira? Excuse-moi. Allô, chérie? Je veux bien. Tu me manques aussi. Ta femme est toujours là. Je te verrai le week-end, t'inquiète pas. Je t'aime. Oui, bye. Je suis désolée. Je sais bien. Je comprends. Alors, allons à l'intérieur. Après toi. J'arrive. Je t'en prie. Arrête avec ces appels ici. Va le faire ailleurs, c'est mieux. S'il te plaît. Yeah. Cassie la princesse. Non, attends, Cassie, attends. Je t'en prie, reviens. Non, ne pars pas. Cassidy, s'il te plaît, reviens. Je t'en prie. Je n'ai aucune arme.
J'ai apporté une bonne nouvelle pour toi. T'en fais pas, j'ai une très bonne information pour toi. Tu vas apprécier ça. Je ne veux pas de votre information, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Ah. Tu es venu avec la police, tu es venu pour m'arrêter encore. Ah, mais calme-toi, non. Si j'étais venu avec la police, à cette heure-ci, tu aurais entendu les sirènes ainsi que des vannes de police un peu partout. Je suis venu tout seul. Et d'ailleurs, c'est mon grand frère Jackson qui m'a envoyé vers toi. Pour m'arrêter? Non. Ah. Ou bien un peu l'arrestation, s'il te plaît. Ou bien un peu ça, tout ça est déjà oublié. Et alors, pourquoi il t'a envoyé vers moi? Est-il malade? Je pense que ça va. Exact, il va bien. Il va bien, il va parfaitement. Oui, il va bien. Il va bien. Pourquoi même je m'inquiète? S'il veut, il peut tomber malade. Je m'en fous. Hein? Je ne m'inquiète plus. Kaka, sache que avec ce que tu viens de dire maintenant, là, ça prouve à suffisance que tu t'inquiètes toujours à propos de mon frère Jackson. Et j'ai même la sensation qu'il te manque déjà. Que Dieu m'en épargne, il ne peut pas me manquer. Je ne le veux pas. S'il te plaît, commence déjà à partir avant que maman arrive et qu'elle te voie ici. Ok, avant que je ne puisse faire ça, juste une seconde. Une seconde, tu aimeras ce que je suis venu t'apporter. Ah! Kaka! Grand frère Jackson. Oui, oui, oui. Kaka, parle au grand frère Jackson. Non. Parle-lui, non? Tu vas aimer ce qu'il va te dire. Allô? Allô? Il s'agit de Kasarachi. Comme Cassidy. C'est moi que tu appelles ton amour. Après tout ce qui s'était passé chez toi, ma maman avait détruit ma SIM et elle m'a acheté une nouvelle carte SIM. Alors, raison pour laquelle tu ne me recevais pas. S'il vous plaît, vous devez me laisser tranquille. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais pourquoi vous pouvez... Je ne comprends pas. Oh. Laissez-moi laisser les pauvres avec le pauvre et laisser les riches être avec le riche. J'essaye de réfléchir de la sorte. Ah, je ne veux plus avoir une relation avec le jeune riche. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler de venir. Vous devez juste me laisser tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi un peu. Si vous voulez encore m'arrêter, non, je suis désolée. Non. Je suis venu en paix. Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Hein? Toi. Bon après-midi, bonjour, bonsoir. Encore toi. Maman. Qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Je suis venu pour... Faire quoi? Demander pardon et puis voir qu'est-ce comment... Qui se me parcelle? Va-t'en. Très bien, je vais... Casse-toi d'ici. Pars. Frappe-le. Ne remets plus tes pieds chez moi. Espèce de voleur escroc. Ne reviens plus jamais chez moi. Jidé, laisse-le. Jidé. Criminel. Ah. Kasarachi. Maman. Qu'est-ce qu'il est venu chercher? Maman. Toi. Qu'est-ce que ce garçon est venu faire ici? Il est venu me dire que Dixon avait besoin de me parler et il a donné mon numéro. C'était juste ça. Et je les ai dit de me laisser. Ils doivent me laisser tranquille. Ah. Kasarachi, tu recommences avec tes histoires? Kasarachi, tu recommences? Tu as oublié ce qu'ils t'ont fait? Tel que tu es là, si tu continues cette fois-ci, ils vont te jeter en prison. Cette fois-ci, je n'irai pas avec toi. Je n'irai pas avec toi, Kasarachi. Tu lui as permis de s'approcher de toi. Maman, il avait dit de partir. Je l'ai dit de partir. Mais il ne m'avait pas écouté. C'est pas grave. Kaka. Pas de problème. Kaka, tu dois être très prudente. Je suis déjà prudente. Fais attention. Parce que je lui ai dit que je ne le veux plus encore. Sois très prudente. Je ne le veux pas. Je n'ai rien à faire avec eux. Ok. Je vais aller mettre ces histoires derrière pour maman. Ok, merci. Angelica, où est cette bite? Laisse-moi la montrer de quel bois je me chauffe. Où est-elle? Non, je ne t'ai pas amenée ici pour se battre avec elle. Ce n'est pas pour ça que je t'ai appelée ici. Ha! Angelica, c'est ça mon problème avec toi. Tu es trop malchanceuse. Pourquoi? Tu me connais, tu sais ce que je peux faire. Amène-moi là ici, je vais l'écraser. Baisse des temps.
si j'ai accepté que tu viennes ici, juste pour une seule raison. Laquelle? Je veux que tu me donnes de bons conseils, hein? Je veux mettre fin à cette situation. La violence, bien sûr. Ah. Écrasons-la. Mettons-la en pièces. Endommageons son visage. Hein? Cela va encore empirer la situation. Ok. Ok. Laisse-moi me calmer avec un verre glacé et en ajoutant un peu d'alcool. Alors? Et alors, de bons conseils viendront de moi. Tu me connais, non? Hey, Jesse, comment vas-tu? Je ne vais pas bien. Et qui est cette chose? Hey! N'ose plus jamais parler à ma visiteuse comme ça. Est-ce bien clair? Bêtise. Chérie, allons-y. Bébé? Hey! Mon chéri? Oh! Ne t'en fais pas, je t'achèterai aussi une voiture. Ah, vraiment? Oui, bien sûr, je le ferai. Tu sais que tu es gourmande? Qui est gourmande? Ah, tu es vraiment sûr que tu n'es pas gourmande, toi? Tu es vraiment trop coquine, toi. Hein? Tu me connais. Oh, s'il te plaît. Allez, viens là. Ok. Encore. Je t'aime, ok? Je t'aime aussi. Très bien, prends soin de toi. Je le ferai. Sois très prudente. Je le ferai. Sois prudent. Je le serai. Salut bébé. Je vais bien et je te manque. Oui, je... Donc! Laisse-moi te rappeler, mon chéri. Donc! Je veux que tu t'appelles. Donc! Tu es cette petite femme qui veut voler le mari de ma meilleure amie, Koya. Hein? Donc, tu es cette personne. Elle te parle. Hey. Je ne suis pas à l'intérieur de toutes ces choses, s'il vous plaît. C'est vrai? Oui, je ne suis pas. Reviens ici. Où tu vas? Elle veut aller où? Donc, tu essaies de me saboter. Tu peux imaginer. Hein? Donc, je n'ai pas encore fini avec toi. Mais tu pars. Et tu essaies de me saboter. Tu es folle? Tu ne poses pas de questions. Hein? Es-tu folle? Tu ne réponds pas? Tu t'es scatère avant. Ajoute-là un autre. Donne ton sang. Tu ne me connais pas? Termine-la. Écrase-la. M'as-tu frappé? Oui! Je te montrerai! Hey! Je peux devenir folle à cause de toi! Hein? Je peux encore t'ajouter l'autre! Hein? Bouge! Viens! Approche! M'as-tu frappé? Oui, je l'ai fait! Et je le ferai encore, encore et encore! Brise-la! Écrase-la! Tu ne me connais pas! Je te montrerai! Brise-la! De quel bois je m'échauffe! Viens me battre! C'est pour moi que tu es une femme! Viens me battre! Viens me battre! Défends-toi, non? Hey! Tu vois ce qu'elle nous a fait, hein? Qu'est-ce qu'elle a même essayé de nous montrer? Je ne comprends pas, elle n'a même pas réagi. Hein? Tiens ça. Mais attends, quel genre de femme est-elle? On l'a même frappée, on l'a fait tout, mais elle n'a pas réagi. Angelica, mon amie.
trop penser n'aidera pas à finir ce problème. De tout ce que je vis, Amelia. Sinon, cette fille est trop maligne. Ça me dépasse. Mais, de toutes les façons, je suis désolée, je dois déjà commencer à partir. Oui, oh. Qui sait pourquoi tout ça arrive? Tu sais comment moi j'ai toujours été, non? Je veux te faire devenir femme. Une très belle femme qui sera attirée par tous les hommes. Très éclatante. Oui. Toi, comme une demi-femme mariée, tu ne laisses jamais l'infidélité. Tu aimes partager. Tu aimes te donner à tous les hommes. À tous les hommes. Et tu trouvais ça normal. Tu aimes trop que ton corps soit tapé, tapé à tout moment. As-tu vu le problème que tu as causé? C'est le problème que tu avais toi-même cherché. Et tu dois en subir les conséquences. C'est ça vraiment le problème. Je dois partir. Qui est-ce? Qui est à côté? Qui est cette personne? Ne m'étonne pas. Ne me provoque pas. Comme tu me vois là, je suis célibataire et chercheur. Ne dis plus jamais ça. Écoute, que les voisins même ne t'attendent pas. Hein? Écoute-moi bien. Je suis célibataire et chercheur. Laisse-moi te dire, tu as bien osé. Laisse-moi revenir encore. Je te préviens. Oh. Mieux vaut ne pas me provoquer. Oh, oh. Essaye encore. C'est de qui? Ah, pourquoi tu me touches comme ça? Je te dis, tu vas bien? Moi-même, je me dis si vraiment tu vas bien. Angelica, tu ne vas pas bien. Est-ce que m'as-tu entendu? Tu ne vas pas bien du tout. Je me connais moi-même. Pourquoi suis-je venue te consoler? Hein? Comme tu me vois ici, je ne viendrai plus dans ta maison. Quel genre de femme mariée es-tu? Est-ce qu'ils te veulent? Je ne viendrai plus jamais ici. Tu ne peux pas dire ce genre de choses. Je ne viendrai plus ici. Parce que tu me connais. Oh. Tu vois ce que tu fais. Oh. Ok. Je ne dirai plus rien parce que tu m'as déçu. C'est ça le nécessaire. C'est bien pour toi. Arrête de dire de n'importe quoi. Regardez-moi cette femme mariée et infidèle. Je suis tombée pour cette période. Mais il faut réfléchir. Raisonne bien. Ah, Doubem. Hein? Merci infiniment pour ce numéro que tu viens de m'envoyer, ok? C'est tout ce que tu vas faire pour moi. Envoie-moi ton numéro de compte maintenant, je vais faire quelque chose pour toi. Hein? Doubem. Merci beaucoup. Oui, merci infiniment encore. Hmm? Ok. C'est ça. Doubem. Ah. Maman, je veux que vous m'aidiez à donner à Ngozi 5000 naira pour le temps qu'il avait pris pour m'enseigner le français et d'autres choses qu'elle essayait de m'apprendre. Sa balance était de 5000 naira. Prenez ça et donnez-lui. Je ne veux pas qu'elle commence à venir à cause de ces 5000 naira quand je serai pas là. Ok, donne. Je vais lui remettre. Merci. Ça. Merci. Écoute, ma fille. Maman. Espérons que tu pars en ville pour étudier et travailler. S'il te plaît, ne mène pas une fausse vie. Maman, j'ai changé, non. Je suis une nouvelle personne. Hein? Sois ce que tu es. Je promets. Fais un effort de bien te comporter. Et retiens ce qu'on t'enseigne. Et la chose qui est plus importante dans cette affaire, c'est la prière. Tu dois beaucoup prier. N'oublie pas la prière. Je le ferai. Les bonnes choses viendront. Je sais très bien que tu apprends vite. Je te connais très bien. Merci. Avant même que tu ne t'en rentres, quand tu seras déjà en mesure de très bien faire ton travail. Pas grave, je vous promets. Reste loin des problèmes, ma fille. Ok, maman. Ne t'attire pas dormir là-bas. Sois toi-même. Je le serai. Maman, vous parlez vraiment beaucoup. Regardez l'air. Je sais. C'est déjà passé. Je prie pour toi. Et je vais continuer à prier pour toi. Amen, tous les jours, merci. Je t'en prie. Sois une bonne fille. Ok, maman. Vous allez me manquer. Bye. Au revoir. Gardez toujours votre téléphone ouvert, je pourrais vous appeler. Pourvu qu'il y ait de l'électricité. Maman, je commencerai à vous appeler. Oh. Au revoir.
Sérieux? Pourquoi est-ce que tu l'as? Écoute, ça suffit, s'il te plaît. Et cela était supposé d'être d'une semaine. Qu'est-ce qui se passe? Non, une semaine n'est plus suffisant. Tu vois ce qui se passe, non? Alors donne-moi un peu de temps. On a fini avec le plan A, passons au plan B. Et dans quoi ça me concerne? Écoute, c'est pas parce que je suis ta sœur et je veux me tuer pour toi. Allez, non, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. Ok, j'ai une mauvaise nouvelle. Hein? Exact. Accouche. De même, un vieux cassage aujourd'hui. Hein? Exact. Mais j'ai essayé d'avoir son nouveau numéro, mais je n'ai pas pu l'avoir. Hey! Hein, t'es vent dans la rivière? Et ça me pêchait un poisson. C'est quel genre est ça? Et non, mais contrôle ta bouche. Non, mais pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Que je ferme ma bouche. C'est seulement mes côtés que tu trouves un mot à dire. Petite sorcière. Ok, écoute-moi. Eh bien, j'essaie d'avoir son numéro et elle essaie d'avoir mon numéro. Mm-hmm. Mais sa mère est arrivée et a chassé Dubem de là. Parce qu'elle pensait que Dubem était venu l'aider. Exact. Tu sais que c'est Dubem qui l'avait traqué et l'avait emmené jusqu'à la maison. Ah, c'est non. Je ne condamne pas cette femme. Tu es vraiment têtu. Oui. Tu es vraiment magnifique. Mon amour. Allons-y. Comment je parie avec toutes ces choses? Tout ce que je fais ne marche toujours pas. Et si je m'excusais à Dixon? Je veux lui dire la vérité et que je me libère. Je ne peux pas laisser ma fille s'effondre comme ça. Je suis vraiment désolée, Dixon. Je voulais aller le cours. Et je suis devenue un lit plus long. Je croyais que je faisais ce qui était mieux. Mais cela m'a mis dans les troubles. Je sais que je n'ai plus vraiment une place chez toi. Mais j'essaye. J'essaye vraiment. Alors, je pense que c'est déjà trop tard. Je suis désolée. Chut. Allô, Dubem? Le numéro que tu m'as remis est toujours éteint et ça fait déjà 6 jours. Es-tu sûr que sa mère t'avait donné son vrai numéro? Hein? Écoute, je pense que tu dois retourner là-bas. Ok? Mon ami Tétoge dit que tu vas retourner là-bas. C'est quoi ton problème? Tu vas aller là-bas prendre les bons numéros pour moi. Je supprime celui-ci maintenant. Bêtise! Hein? Voyez-moi ce malade.
Quel est ce numéro composé seulement du chiffre 4, 4, 4? Maman? 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 Ah. Maman? Maman? Ah, maman, c'est vous que je suis venu chercher. Toi encore? Je suis pas du tout venu chercher le trouble. N'est-ce pas que tu m'avais promis que tu ne reviendras pas ici? N'est-ce pas que tu m'avais dit que tu ne reviendras pas dans ma maison? C'est quoi ton problème, jeune homme? Qu'est-ce que tu cherches? Maman, j'ai plusieurs fois essayé de te faire comprendre. Je ne suis pas un trouble fait. Hein? Si je suis en train de revenir ici, c'est parce qu'il y a quelque chose de très important. Vous voyez, le numéro que vous nous avez donné, le numéro de Kasalach, ne passe toujours pas jusque là et ça fait des jours maintenant. Ce qui veut dire que le numéro est un mauvais numéro. Je ne dis pas que vous m'avez intentionnellement donné des mauvais numéros. Non, non, je n'ai pas dit ça. La vérité, c'est que le numéro est un mauvais numéro. Alors, je suis ici pour que vous me donniez le bon numéro afin que je puisse joindre Kasalach. Tu vois? Tu vois? La vérité finit toujours par se faire savoir. Dieu est juste. Hein? Ça se voit que tu viens ici avec de mauvaises intentions. C'est pour cette raison que le numéro est injoignable. C'est pour ça qu'elle est injoignable à chaque fois que tu l'appelles. C'est le zèbre de Dieu. Hey, maman, pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de me soupçonner, de m'insulter, tu sais? Pourquoi es-tu en train de m'insulter? Je me suis déjà rendu assez clair comme ça pour toi. À chaque fois que je viendrai ici, je continuerai de m'excuser, je continuerai de te demander que... Oubliez simplement le passé. On est au présent. Toi, les choses ont changé pour de bon. Toi qui as amené ces gens dans ma maison. Toi, n'est-ce pas que c'est toi? Maison, quitte ma maison. Maman, tu continues à parler d'événements passés. Mais tout a changé, non? Hein? Mon frère Jason est vraiment sérieux dans ça. Il veut vraiment épouser Kasalachi. Va-t'en d'ici! Va-t'en avant que je ne te frappe avec cette chose. Parce que si je frappe cette chose sur ta tête, tu vas te retrouver à l'hôpital. Dans quelques secondes. Alors dégage. Maman, mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas simplement... C'est juste le bon numéro, le bon. Juste le bon numéro, c'est pas comme si... Qu'est-ce que tu attends? Dégage! Pars! Maman, c'est juste le numéro. C'est juste le numéro dont j'ai besoin. Méchant type. Maman... Va-t'en, sors d'ici. Et c'est si idiot. Remets encore tes pieds chez moi. Mais voyez-moi ça. Hein? Je le disais. Je disais qu'il y avait quelque chose avec ces garçons. Je le disais bien avant. Hein? Ce garçon veut que je vienne arrêter ma fille. C'est ce qu'il veut. C'est ça. Je le disais depuis longtemps. Ce garçon cherche quelque chose. Je n'avais pas tort. Hein? Ce garçon veut que je vienne arrêter ma fille. C'est ça son projet. Mais les dieux que je sers ne vont pas permettre cela. Le numéro n'arrêtera pas d'être injoignable. Oh, 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 n'importe quoi. Elle vient aujourd'hui. Hey, Nawa, maintenant tu es content. Je suis une meilleure actrice, non? Hein? Tu n'as encore jamais vu celle-ci? Quoi? Tu l'as déjà vu avant? Tu l'as déjà vu avant? C'est une petite chose, hein? Oh! Hey! C'est bon? Merci. Je dois te dire merci. Merci beaucoup d'avoir aidé. Ok? Je t'en prie, monsieur le parfait, que je n'arrive pas à croire. Qui t'a dit ça? Bien sûr que je suis un gentleman parfait. Et je suis censé traiter les femmes très gentiment. Ah. Aïe. J'espère que tu aimes bien ça.
Merci pour l'argent. Merci. Hein? Il n'y a pas de quoi. Si c'est moi, c'est comme ça. À tout moment que tu me vois comme ça, viens. Non, je n'aurai plus des cas comme celle-ci. C'était la dernière. Une autre Angelina. Non. Je ne prendrai plus Angelina en tout cas. Merci. Allez, on est dans la voiture, je vais aller te déposer. Oh, tu veux me déposer? Bien sûr. Après l'argent. Oh, mon chauffeur, allons-y, tu me déposes. Ça, c'était pourquoi tu tournais juste près de moi. Attends un peu. Viens-tu juste de m'appeler ton chauffeur? Essaie de dire qu'elle était désolée, hein? Viens qu'on me récupère, hein, monsieur. Ha! Je t'en prie, merci. Voiture, s'il te plaît. Angelina reviendra avec le pouvoir. Tu peux m'appeler, je suppose que ça ne marche pas. C'est ça, bien sûr. Angelina, madame. Maman, je suis vraiment, vraiment sérieux à propos de ce que je suis en train de vous dire. Depuis que cet incident s'est produit, Fred Jackson n'arrêtait pas de m'envoyer pour pouvoir prendre des nouvelles des Kasalach. Et c'est ce que je n'ai pas cessé de faire. Je vous en prie, essayez juste de me comprendre. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ce jeune homme cherche ma fille, juste après l'avoir maltraitée? Maman, je comprends très bien ce que vous essayez de dire maintenant. Mais mon frère Jackson s'est confié à moi. Il m'a dit en toute confidence qu'il est tombé amoureux de votre fille. Finalement, pour de vrai. Maman, sais-tu que mon frère Jackson a déménagé d'une de ses maisons pour les gosses? Pour que quand Kasalaj va venir, qu'ils puissent habiter tous les deux ensemble sans son père ou sa sœur. Non, ça à propos, jusqu'à ce qu'ils remplissent toutes les formalités du mariage. Ministre d'information. Informateur. Est-ce que par hasard, tu penses que tu causes avec une petite fille? Je suis une vieille, une grande dame. Et je sais tout. Laisse-moi t'étonner. Tu vois tout ce que tu viens de raconter? C'est faux. C'est monté de toutes pièces. Je ne te crois pas. Maman, à chaque fois que tu dis que tu ne me crois pas, je n'ai pas... Ne t'attends pas à ce que je puisse être en colère qu'après ça. Je comprends totalement. Je comprends très bien. Il y a quelque chose que je veux faire là, maintenant. Laisse-moi juste rendre les choses très claires et très propres à tes yeux. Laisse-moi juste appeler Jackson afin que tu puisses parler avec lui. Son numéro ne passe pas. Peut-être que maman, il est allé au boulot ou bien qu'il est occupé. Et tu sais, la journée tend déjà vers sa fin. Je crois que ce que je vais faire maintenant, c'est... Je vais partir et puis revenir plus tard, ok? Mais aussi, il y a quelque chose que vous pouvez quand même faire pour m'aider, moi. Pour me sauver de tout ce stress, aller par-ci et par-là, à la recherche de Kasalachi. Aidez-moi avec son numéro, afin que je puisse l'appeler. Tu demandes si j'ai le numéro de téléphone de ma fille, pour que je puisse t'aider en te les donnant? Exactement. Écoute-moi très bien. Avant que je ne le fasse, je dois avoir l'autorisation de Kasalachi. Oui, je dois d'abord l'appeler. Si elle me permet de te donner son numéro, je le ferai. Ok, maman. Éteins. Hmm? Éteins, veillez réessayer ultérieurement. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que le téléphone de ton correspondant est éteint. Veillez réessayer ultérieurement. Tu vois, toi, je connais tes plans. Je sais que ces jeunes hommes t'ont envoyé pour venir espionner ma fille. De cette façon, il réussira à faire arrêter ma fille. Mais ça ne marchera pas. Maman, depuis que je suis venu ici, c'est la même chose que je n'arrête pas de te dire. Il n'y a rien concernant l'arrestation des Kasalachi. Mon frère Jackson est en train d'aimer votre fille pour de vrai. Je le connais bien, c'est mon frère après tout. Ouais, lève-toi, pars. Va-t'en. Mais maman, je reviendrai et... Je vais essayer si je pourrais avoir le numéro prochainement. C'est vraiment très important. Je dis pars.
ministre d'information. Escroc. Dégage pas. Allez, viens, ma chérie. Bien. Tu es la bienvenue dans ma maison. C'est aussi l'une de mes constructions. Hmm? C'est la mienne. Celle-là aussi la mienne. Viens là. Viens. Allez. Écoute-moi. Je veux que tu te sentes à l'aise avec moi à nouveau. Ok? Sens-toi à la maison. Allons à l'intérieur. Viens. Viens. Une fois de plus, tu es la bienvenue chez moi. Hmm? Allez, viens, allons-y. Une fois de plus, bienvenue dans ma maison. Assieds-toi là. Je t'en prie, viens t'asseoir. Est-ce que ça va? Es-tu sûre? Oui. Alors dis-moi. Qui était donc cette fille-là avec? Cette fille-là avec laquelle je t'ai vue? Oh. Elle est de mon village. Il y avait un moment que je l'avais dit que je vais rejoindre son business. Mais elle disait que je devrais amener une somme d'argent. Je n'avais pas assez de somme. Mais après, tu sais que je t'avais menti, non? Alors j'ai collecté l'argent venant de toi.
Alors j'avais collecté une très grande partie. Et je lui avais donné ça. Voilà pourquoi je suis venue à la cité pour la rejoindre. Tu sais que je n'ai jamais étudié. Alors, je voulais avoir un travail manuel. Et j'ai commencé à apprendre son business. Donc tu n'as jamais étudié? Oui. Et comment arrives-tu à parler avec toute cette grammaire? Je fais l'école secondaire. Et donc, à ce moment aussi, je l'apprends. Tu sais que j'ai collecté l'argent venant de toi. Alors, j'étais capable d'engager un professeur pour m'enseigner comment parler un bon français. Et ça, c'est très sage venant de toi. Mais tu sais que tu dois aller à l'école. Et tu dois avoir ton diplôme. Mais tout d'abord, j'aimerais bien voyager à Paris. Pour le shopping de notre mariage. Hein? Oui. Paris, ton pays de rêve. Notre mariage. Exact. Voyons. Voyons. Ça va aller. Tu n'as pas besoin de faire ça. Ok? Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ok? Oh, merci. Ce n'est rien, chérie. Merci. Ce n'est rien. Ok? C'est bon maintenant. Tu as dit que notre mariage... Exact, Paris. Le pays de tes rêves. Hey, hey. Tu n'as pas besoin de faire ça. Ok? Tu n'as pas besoin de faire ça. Viens là. Viens là. C'est bon maintenant. Je suis là maintenant. Tu ne souffriras plus jamais. Ok? Ça va aller. Merci. Hey. Non. Il n'y aura pas de sexe jusqu'après notre mariage. Donc conserve-toi jusqu'à un nouvel an. Ok? Notre mariage est pour le nouvel an? Exact. Le nouvel an est prévu dans 4 mois. Comment c'est possible, dis-moi. Eh bien, laisse-moi faire ça. Tu as encore le numéro de compte de ta mère? Oui. Parfait. J'ai besoin que tu me donnes son numéro afin que je puisse lui faire un transfert. Afin qu'elle prépare les anciens. Nous irons voir mon père dès demain. Ok? Pour commencer les préparatifs. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Merci. Ce n'est rien. Attends. Et alors pour mon travail, dans cet endroit-là? Oh, chérie. Tu dois quitter ce job. Ok? Je suis là. Je peux te procurer tout ce dont tu as besoin. J'ai passé énormément de temps à te chercher presque partout. Et je ne pense pas que je pourrais te laisser loin de ma vie pour une seule seconde. Alors je t'en prie, tu dois quitter ce job. Ok? Ok. Est-ce que ça va maintenant? Oui. Kaka. Ma kaka. Cassidy. Toi. Toi. Viens là. Allez, viens là. Viens là, chérie. Merci. Viens là. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.
Thank you.